Tout a commencé le 25 juin 1987. Le projet d'un programme de télévision dédié à la culture grecque venait à peine de cristalliser. Nous avions devant nous le spectre qui hante les continents du documentaire culturel et que Tchekhov a formulé pour l'éternité, dire des choses que les gens intelligents savent déjà et que les imbéciles ne sauront jamais. C'est Jean-Pierre Vernant qui a eu l'idée du banquet et de cette conversation sans frontières. Le grand amphithéâtre de l'École des Beaux-Arts à Paris s'y prêtait d'autant mieux qu'il surplombe les caves où, sous forme de copies en plâtre, toute l'Antiquité s'entasse en attendant que sonne la fin de l'alerte. Tu devrais nous dire un peu qu'est-ce que c'est pour toi, un banquet, un symposium, un boire ensemble. Qu'est-ce que c'est boire ensemble? Ce qui fonctionne dans le symposium, c'est l'idée qu'on boit ensemble, qu'on parle ensemble et qu'on fait un certain nombre de choses ensemble. Alors on a le choix entre écouter de la musique, réciter des poèmes, choisir un sujet de conversation, se tenir bien, se tenir mal. Et ça peut aller du plus sage au plus délirant. Alors on verra. Il y a un ordre, les coupes et le vin circulent, suivant un ordre qui doit être en gros le même que celui des paroles qui sont échangées, car, tout à fait comme en Géorgie encore aujourd'hui, dans des pays de haute civilisation, il y a dans chaque repas, en Géorgie, un chef de repas et... Dès que le repas est commencé, le chef de repas choisit un thème, préside au fait qu'on va verser à boire et qu'à tour de rôle, les gens doivent lui répondre en fonction. C'est-à-dire que, si vous voulez, la nourriture, bon, il faut manger. La boisson se situe sur un plan qui n'est déjà plus exactement le même, qui est d'une certaine façon un plan, oui, un peu spirituel, un plan... de civilisation. Поняли мы, и осень, дотоле вопившая выпью, прочистила горло. И поняли мы, что мы на Перу в вековом прототипе набили Платона во время чумы. Откуда же эта печаль Диотима? Каким уверением прервать забытье по улицам сердца из мглы нелюдимой? Дверь настежь за дружбу спасение мое. И это ли не происки Мэри Орфистки, что рока игрою ей под руки лег? И арфой шумит ураган Аравийский, бессмертие, быть может, последний залог. Это все переиначенные стихи Пушкина. Λοιπόν, συμπόσια σαν και το σημερινό έχουν γίνει και άλλα στη Γαλλία, στην Ρωσία, στην Αμερική. Αλλά εμείς είμαστε διπλά προνομιούχοι, δεν είναι έτσι? Γιατί συζητάμε στον τόπο ακριβώς που άλλοτε ήταν το κέντρο της Ελλάδας και έγινε το κέντρο της παγκόσμιας σκέψης και πολιτισμού. Και το δεύτερο προνομιό μας ότι μιλάμε στην ίδια γλώσσα. Όσες αλλαγές και να υπάρχουν. Το θέμα είναι η κληρονομιά της Γλάφκας, όπως είναι ο τίτλος της σειράς αυτής, δηλαδή η προσφορά του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού στον νεότερο κόσμο. Και ο τρόπος να ερευνήσουμε το θέμα του πώς η Αθήνα, ειδικά η Ελλάδα γενικότερα, έγινε πέδευση του κόσμου όλου. The peculiar thing about the Greeks, I suppose, is that they are as remote as they are, as different as they are, but connected with us through, well, they've impinged on our own society. They're at the back of our society, at the base of our society, through the Romans. So we are, to some extent, an extension, a continuation of things that the Greeks contributed, if they didn't invent for themselves. But at the same time, they've reintroduced themselves, or been reintroduced at periodic intervals over the next few millennia. And that's something that has
changed from generation to generation. Sometimes people are quite shocked to find what their own, what the previous generation has done with the Greeks, with the reading of their literature, the interpretation of their history. And perhaps what I'd like to ask is, what is this generation doing to the Greeks? For 200 years or more, perhaps, the Greeks have been made by us, turned into by us into a kind of angelic race. They're the source of much wisdom and knowledge. And what's most interesting now is to study the difference between the idealization and the reality. It's a special case study for us of the remaking, the putting on of a cosmetic makeup, of a face that was very interesting underneath the makeup. I would say almost that I'm not interested in the Greeks at all, that the Greeks are for me a kind of legal fiction by means of which we get to authorize our own inquiries into our own identities, into the way our own identities have been historically constructed. They give us this people who existed long ago and who are in some way related to ourselves historically, genealogically. And through studying that people, we get to uncover through various layers the construction of our own identities over time and get to see how our identities have been shaped, how we've explained ourselves to ourselves by talking about the Greeks. And what the Greeks themselves really did, or what they thought, I mean, if one ran across a Greek nowadays, I don't know what one would have to say. There's a special magic and beauty and power. And there's that, it's what you were saying in the beginning, that ultimately, you can't really say what draws you to these texts, what makes them so powerful for you, but they are for me. And it's certainly true that Euripides has taught me an enormous amount about victimization. And I wonder, do you feel like, and this is an open question, do you feel like reading Greek literature does make you a better person in any way? Does it allow you to be a better person? No. And yet I keep discovering things that Aeschylus said, that Homer said, that Plato said, that Plutarch said, which do something for me. They answer to some need in my life, an aesthetic need or a need for understanding of what makes people tick and how to relate to them. Plus j'approfondis ma connaissance des Américains, plus j'aime la Grèce. C'est un amour un peu mystique, je dirais. Mais quand je vois la façon d'être de cette civilisation, qui est une civilisation de l'espace, de la masse, et maintenant aussi une civilisation de la communication moderne, plus je me dis, mais au moins, ayons ces souvenirs, vrais ou faux, pour nous réfugier là et imaginer quelque chose qui nous appartienne. Bon, on parle beaucoup des racines des uns et des autres. Moi aussi, j'aime bien avoir des racines. Et quand je les cherche, c'est sentimentalement. Puis ensuite, intellectuellement. Et en effet, la Grèce est ma mère. Bon, je ne me le dis pas tous les jours. Et est-ce qu'elle serait ma mère parce que j'ai appris du grec autrefois? Je suis de cette génération qui faisait latin grec. Et je dois dire que quand j'étais élève de quatrième, de troisième, ça, j'étais ébloui par mon parcours très rapide dans la langue grecque. Je me suis trouvé tout d'un coup au contact avec une poétique que le latin ne m'a absolument pas apporté. Le latin est probablement une langue aussi poétique que la langue des comptables. Mais la langue grecque, chaque mot avait une sorte de vibration méditerranéenne, c'est vrai, qui pour moi était indispensable. Et puis, enfin, il y a quand même des messages grecs qui sont vieux comme le monde. Il y en a peut-être eu d'autres avant. Mais quand Antigone dit « je ne suis pas né pour haïr, mais pour aimer », je peux même vous le dire en grec, si vous souhaitez, Utois une ectein ala symphilein effune. Je me dis, ben c'est un petit bagage, mais ça suffit. Ça suffit. Well, I suppose it started when I was a child, being very interested in toy soldiers.
I collected since the age of six, and I built quite a lot of soldiers up. And then I got very interested in small Greek soldiers more than any of the other toys. And the older I got, the more I wanted to learn about them. And I started reading books and watching programs about them. And it's something that's always fascinated me, Greek culture. Je ne veux pas entrer dans un jeu soit nationaliste, soit chauvin, soit raciste. Mais dans certaines époques de l'histoire de l'humanité, il y a eu des sortes de condensations remarquables de l'intelligence humaine qui ont traversé les âges et les peuples tout en se retrouvant parfois avec d'autres inventions, d'autres peuples, bien sûr, coïncidence, mais qui garde une sorte de... C'est comme si c'était des flèches d'orientation. Et je pense que cette période de la Grèce antique, à partir peut-être du 7e siècle avant l'ère chrétienne, surtout jusqu'au 3e, peut-être même plus tard, d'ailleurs, siècle avant l'ère chrétienne, a produit des formes de pensée et des résultats dont on trouve la trace un peu partout. Et c'est peut-être dans ce sens-là qu'on peut parler de grécité, c'est-à-dire quelque chose de beaucoup plus général, non pas localisé dans un espace ou dans le temps, mais quelque chose qui est diffus, une façon d'être basée sur la critique, sur le rationnel, et aussi sur tout le psychisme inconnu, inconnaissable probablement de l'homme. Et cet amalgame, c'est ça qui est intéressant. Je me souviens, je ne sais pas dans quel dialogue il y a dans l'histoire de Platon, l'homme est comme une sorte de... quelqu'un qui est sur un char. Le char, c'est la vie, il y a les chevaux rationnels, l'autre cheval est comme ça, mais lui, il doit définir dans quel sens il faut aller, c'est-à-dire tirer la bride d'un côté ou la relâcher de l'autre pour que les choses puissent se faire. C'est-à-dire qu'il y avait déjà cette notion de complexité interne, conscient, subconscient, etc. What I first found fascinating about the Greek world was the fact that they had come across the idea of gnotis auton, know thyself. It is always very strange to think that the Greeks, which had no concept of unconscious, or even perhaps until Plato, a proper concept of the soul, could have come to think that you should know yourself. I think if Freud were to be compared to anyone, it would be to the Greeks before Plato. And I think he is much closer to that diffused concept of the soul and mind which the Greeks, which the pre-Socratics have had when they said, know thyself and nothing in excess, than to Plato. Aristotle, in a sense, is saying something, as Plato was saying before him, as all the Greeks, up until at least, I suppose, the Epicureans, are saying, that it makes no sense to study a human being as a moral person in isolation. You cannot talk of a person and his or her rights, a person and his or her moral duties, except in relation to his or her place within a structure. Ils ne peuvent pas concevoir que l'individu, ce qui est la vérité d'ailleurs, un véritable individu ne peut exister que dans un certain type de collectivité. Bien sûr, n'importe qui est un individu sur le plan descriptif, n'est-ce pas? Le sujet, le pauvre paysan chinois, sujet de l'empereur Song, c'est un individu, il a un nom, il est lui, enfin, il a des empreintes digitales. Bon, on ne veut pas le confondre avec quelqu'un d'autre. Mais il n'est pas un individu au sens qu'il fera exactement la même chose que les autres, ce que les autres lui ont appris. Pour qu'il y ait vraiment des individus, il faut que la collectivité bouge.
Et pour que la collectivité bouge, il faut que les individus déjà commencent à devenir différents. Les deux choses vont ensemble. Bon, et c'est ça qui se passe en Grèce. Or ça, on ne le voit pas. Et on continue à parler du fait que c'était gentil, la démocratie était... Le Parthénon, c'est pas mal, bon, d'accord, il reste quelques colonnes. Bon, mais enfin, tout ça a été payé au prix de l'absorption de l'individu par la collectivité, ce qui est absurde. Moi, je voudrais bien voir des individualités dans le monde contemporain, comme Sophocle, comme Aristophane, comme Socrate. Un très grand érudit, Bruno Snell, a écrit une œuvre qui a fait époque pour essayer de dire que la découverte de la personnalité, la découverte du moi, a été faite par les Grecs. Elle est tardive. Nous ne la trouvons pas dans les autres cultures du Moyen-Orient. L'ego, l'égoïsme, l'égotisme, le psychisme de l'individu devant le miroir de lui-même, invention grecque. D'autres disent, mais écoutez, n'exagérez pas, tout homme sur cette terre, un inconscient qui, grosso modo, se ressemble. Nous ne savons pas. Je crois qu'il y a une histoire du rêve, par exemple. Que le rêve des Grecs anciens, tel que nous l'analysons dans leurs poèmes, dans leur littérature, dans Plutarque, dans leur traité du sommeil et du rêve, sont déjà des rêves qui commencent à être les nôtres. Que le sillage de nos rêves est très grec. Et ça, on le savait avant Freud. Freud, bien sûr, a mis immensément en valeur cette parenté avec le mythe grec et le rêve. L'inconscient, qu'est-ce que c'était chez le grec? Chez Socrate, il appelle ça son daimon, une voix qui vient de l'intérieur de lui-même au moment les plus difficiles, les perplexes. C'est une voix intérieure, non pas la lumière intérieure du XVIIe siècle, mais le daimon, l'irrationnel, l'autre en soi-même. Le grec connaît des mythes terribles de dédoublement, de schizophrénie, autre grande découverte grecque. Lorsque nous sommes possédés par l'autre en nous-mêmes, la parole même de Rimbaud, « je est un autre », c'est presque une traduction du présocratisme grec, ce sens de la possession, de la daimonia par l'autre. Quelque chose a surgi là-bas. Quelque chose dans cette immense lumière et clarté du jour qui a accentué la nuit, le mystère de la nuit. On vit encore sous cette image atroce de la Grèce, pays de la mesure, pays de la lumière, de l'harmonie, des formes, etc. Tout ça, c'est une ânerie absolument sans fond. N'est-ce pas ? La Grèce, c'est le pays du meurtre, c'est le pays de l'inceste. C'est le pays où Œdipe, pour découvrir la vérité, il doit crever ses yeux. Bon, y a pas... Si les gens ne comprennent pas des symboles aussi parlants, que peut-on faire? Le moment où Œdipe découvre la vérité, c'est le moment où il se crève les yeux. Et c'est quoi la vérité? C'est qu'il a tué son père et couché avec sa mère. Et c'est ça la vraie conception grecque. C'est-à-dire, en Grèce, l'ordre, la mesure, est gagné contre la réalité. C'est pas la donnée initiale. D'où l'obsession des Grecs avec des proverbes qui peuvent paraître banals. Rien de trop, n'exagérons pas, etc. Moi, je ne vois pas, je ne sais pas, il y en a peut-être, je vois pas des Suisses ou des Hollandais ayant des proverbes, surtout, il ne faut pas des choses de trop, parce que les gens ne sont pas portés, ce peuple est obsédé, le peuple grec est obsédé par le fait qu'on peut faire trop de quelque chose, parce que c'est ça, sa tendance naturelle, et c'est ce qu'il fait toujours. One of the practices that's systematically been overlooked about Greek justice is that since it's a highly agonistic culture and prosecutor and defendant are facing each other and will use every means that they can to win, there were lots of curse tablets and voodoo dolls used to influence your enemy. These dolls are made of lead and they have twisted limbs twisted behind the body and heads turned around in unnatural positions. And they're buried in coffins inscribed with curses which say, may so-and-so, my enemy in the upcoming trial, forget his speech, and which he is practicing for this trial. Now, this sort of underside of illegitimate practice was widely attested, not only in Athens, but in many Greek cities, and ought to be part of the normal account of the actual experience of going to trial. And indeed, it's in the Eumenides, because the Eumenides, the Furies themselves, sing a song against their opponent Orestes, in which they say, it's our binding hymn. These curses were called binding curses. And they say, may the wits of Orestes be befuddled, and may his tongue be frozen. They're using what was
recognized as an illegitimate but all too prevalent means for overcoming an enemy. Les Grecs sont libres, créent la liberté, et savent en même temps qu'il y a des limites. Mais ces limites ne sont pas fixées d'avance. Il n'y a pas une table des lois, n'est-ce pas? Bien sûr, il y a des règles de morale, etc. Mais par ailleurs, personne ne peut savoir d'avance s'il ne va pas trop loin. Et pourtant, il doit le savoir. Et quand on va trop loin, c'est l'hubris. C'est la démesure. Et cette hubris, elle est punie par une sorte d'ordre impersonnel du monde, n'est-ce pas ? Qui ramène toujours tout ce qui veut être en excès, dépasser l'ordre. Bon. Le ramène et le ramène en prenant le contre-pied, c'est-à-dire en l'abîmant, en le jetant dans l'abîme, en le détruisant. La catastrophe fait tout aussi partie du monde grec, n'est-ce pas, que la création. On ne se retrouve pas dans ce dédale, dans ce labyrinthe, et je viens de nommer les mythes grecs. Le mythe même du labyrinthe, du dédale, du Minotaure, qui est très important pour cette question de l'irrationnel. On a cru que le fil d'Ariane en s'en sortirait, pas du tout. Le fil d'Ariane nous mène dans un autre labyrinthe. Celui de l'exploitation de l'homme par la machine, par la technologie, par la logique inhumaine du processus de maximisation économique. Tous ces mots grecs, l'économie de la vie, faire économie des valeurs de l'irrationnel. L'eudémonie platonicienne, vous le savez si bien, la grande poésie grecque cherche l'équilibre entre raison et rêve, entre logique et poétique. Certaines âmes dorées dans l'histoire, on a l'impression qu'il y a eu des hommes qui ont vécu cet équilibre. Il y a des moments dans les carnets de Valérie qui toujours se penchent sur la Grèce, où on a l'impression, voilà un homme qui, entre la méthode de Léonard de Vinci, entre l'intuition et les sciences exactes, entre la techné et le chant, a trouvé un chemin d'une sérénité presque ahurissante dans sa qualité hellénique et grecque. Il y a eu des âmes magnifiquement heureuses. Je ne crois pas qu'il y en ait eu beaucoup. Là aussi, je crois que la nostalgie trompe. Mais au moins, la Grèce a défini les polarités essentielles. Elle nous impose tout le temps le choix. Elle nous force à nous poser la question. Et ce qui est tellement troublant, il n'y a pas deux chemins pour Oedipe. Il y en a trois. Et aujourd'hui, dans la plaine poussiéreuse entre Thèbes et Piédaure et Daulis et Corinthe, il y a encore les traces des trois chemins, les ornières des trois. Toute autre culture, peut-être, aurait pu trouver un mythe avec deux chemins. Il n'y a que le mythe grec qui pose trois quarts. Le troisième, loin d'être, comme parfois Hegel, d'une façon trop brutale, voudrait dire thèse, antithèse et synthèse, c'est la voie royale vers la solution, le troisième chemin. Pas du tout, ce n'est pas la promesse grecque. Le troisième chemin aussi peut mener dans l'inconnu et dans l'ambiguïté. Et chaque homme est tout le temps au bord de ces trois chemins, de cette triade mystérieuse. Et pour moi, dire merci à la Grèce ancienne, c'est dire merci à la complexité de notre expérience. Car c'est ce qui est inconnu, le Dieu inconnu des autels de la ville de Corinthe, qui nous honore infiniment. En posant question après question à laquelle nous ne sachions donner une réponse adéquate, la civilisation grecque rend hommage à notre humanité. Le carrefour des trois chemins est toujours visible dans la plaine thébaine. Ce troisième chemin, où l'on peut aussi se perdre, beaucoup l'ont pris pour le chemin de la Grèce éternelle quand il n'était que celui de leur Grèce imaginaire. Un exemple accompli de ce chemin et de cette perte a laissé des traces. Elles datent de 1936 et elles partent d'Olympie.